Eh bien, salut à tous, c'est Nexos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'utilise le premier replay que vous m'avez envoyé. Alors, le son est fort dans mes oreilles, baissons le son. Voilà. Alors, c'est un replay, si j'ai bien compris, sur Rivière de Cendres, Ash River, en anglais. Le joueur, donc nous avons The Pierre 1999 de la team TME qui nous a envoyé ce replay avec son petit M46 Patton. Si je dis pas de bêtises, ça doit être le L Premium One. M46 Tiger, voilà, oh, ça met du temps à charger, c'est normal, mais voilà. Donc, oh, sympa, je kiffe déjà le petit bouclier dessus. Observons un peu ça. Oh, il a fait le petit drapeau français. La petite cocarde. Donc voilà, c'est un joueur 100% baguette saucisson que nous avons aujourd'hui. Pourquoi il y a un S6 là à droite? C'est le bug du replay. C'est moi, il y a la lune là. C'est bien War Thunder, mais. Enfin bref, voilà, donc on est sur Ash River, il est en M46 Patton. Et la game avait l'air plutôt intéressante, alors je l'ai prise. J'ai reçu pas mal de replays, mais les replays que vous m'avez envoyés sont. Je peux pas dire qu'ils sont mauvais. Mais ils sont moyens, enfin je veux dire, c'est des parties moyennes. Vous m'envoyez pas des games où vous faites 3-4 kills en RB avion, ça vaut. Enfin, je trouve pas que ce soit intéressant, à moins que sur les 3-4 kills, il y en ait deux où vous avez vraiment fait le kill de l'année et que vous ayez genre outplay l'ennemi qui était derrière vous, vous l'avez fait overshoot, vous l'avez. Tout ça. Mais tout ça, il faut me le dire dans la description pour que je m'intéresse au truc. J'ai pas le temps non plus. La vidéo, là, le gameplay de The Pierre, je la découvre en direct. Mais c'est parce qu'il m'a assez décrit la vidéo, que je sais qu'il a fait autant de kills. Voilà, je sais, c'est intéressant. Il y en a, ils m'envoient les replays, ils font, tiens, voilà, démerde-toi, chef. Non, on va se mettre sur sa vue, quand même, au petit chef. Voilà, ils m'ont, enfin, démerde-toi, voilà, il y en a, ils m'ont, mais il y en a un, ça m'a fait rire, mais il m'a envoyé la description, enfin, un peu la description de sa vidéo, de son replay, vite fait. Dans l'objet de la vidéo, non, vous avez l'objet, vous dites replay, le nombre de kills, le véhicule, voilà, bonjour. Et ensuite, dans le truc, vous pouvez écrire dans le mail, mais écrivez pas tout dans l'objet. Dans l'objet, c'est pas censé être lu, parce que ça fait des trucs moches après. Donc, voilà, m'envoyez pas les replays, franchement, 3-4 kills en RB avion, je... Non, je vais pas prendre ça, hein. Au moins un ace, quoi, sauf si vraiment vous faites de gros kills, mais ça, mettez-le, dites-le. Qu'il y a vraiment du lourd dans la vidéo, genre les kills sont vraiment, vraiment incroyables, renversant, splendide. Là d'accord, là je vais prendre. Oh, alors là il a. Oh, il a flairé. Il a flairé le T3400. Et voilà, facile. La facilité d'un shoot. De toute façon, le T3400, c'est un bon canon, mais ça se fait péter en 2-2. Et bien le premier kill de notre ami Pierre 1999. Joli, joli, très joli. Le pauvre petit T34 ne s'attendait pas à ça. Bon, il s'était mis sur cette position sur le rocher là, qui est une position assez intéressante, mais plutôt en domination quand vous avez le point A là qui est sur la crête. Du coup, parce que vous pouvez vraiment prendre les mecs de flanc s'ils font pas attention. Donc c'est vraiment intéressant. Bon, vous voyez les ennemis, mais lui il les voit pas. Hein. C'est de la RB, j'ai pas précisé, mais c'est de la RB bien évidemment. De toute façon, ça se voit au déplacement du char, tout ça. Et puis vu comment il est pour les précautions, mais voilà, c'est de la RB, donc là voilà, je pense qu'il a vu le T44. Non, il a peut-être vu le Tigre 2. Ah, T44, parce que nous on voit les trucs, mais on voit pas les. En RB, hein, bien évidemment, vous voyez pas les. On a un SU100Y derrière, ok. On va voir comment il s'en sort, parce que là il est un peu. Voilà, il a un light tank, mais juste à sa gauche. Il a deux tanks au niveau de la crête. On va voir comment ils s'en sortent, là ça a l'air d'être. Ah, voilà, le T44-122. Ouais, les munitions dans la toile. Voilà, pas compliqué. Pas compliqué. De toute façon, un T44-122 à tuer, c'est pas compliqué du tout. Alors, Tigre 2H, attention sur la droite. Tigre 2P qui est juste derrière. Il l'a vu bouger. Il l'a fait bouger. On est pas mal. Qu'il fasse attention, hein. Attention, sur sa droite, il y a le petit... Le petit tigre de... attention, toujours à droite, le tigre de H. Fais attention, mon petit Pierre. Moi, je rigole. Moi, je connais les résultats de la game. Je dis, fais attention, mais... Eh, pas fou, hein. Ouais, s'il était mort à 2 kills, j'aurais pris la game. Je m'aurais pris pour un pigeon.
Alors il est peut-être. Ah, attention à ta droite! Oui! Oh là là, oh là 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 là, pourquoi il a one, il a one shot? Mais comment l'a-t-il one shot? Je ne sais pas. Parce qu'il a juste touché la toile, mais il a... j'ai pas fait gaffe s'il avait tué les deux membres d'équipage à l'avant. Bon, eh, on va pas se plaindre. Hein. Il nous a fait un joli petit kill. Donc quand tu montes sur la map, et en plus en face il y avait de l'IS-6, du T-54. Il y avait de la. Il y avait du. Il y avait de la matière à jouer. Il était avec des T-34. T-34 américain, du coup. Putain. Il faut préciser maintenant. Oh oui, le T-44 au fond, tu l'as vu. Oh. Un peu plus à gauche. Un peu plus à gauche. Allez, remonte. Remonte, je te dis. Oh là là. Ah oui, tu l'as vu là. Ah. Voilà. Oh, oh, joli tir. Joli travail d'équipe, c'est avec le Gugus qui est à côté de toi. D'après ce que j'ai entendu au niveau du canon, c'était peut-être du 120. Du 120 mm, peut-être. Est-ce que c'était un T-34 à côté de lui, peut-être. Je ne sais pas. A-t-il regardé? C'est un Tiger. Le T-34 est derrière. Là-bas, il y avait un petit T-76. Il y a l'A7. Aucun problème, le A7 il a des toutes petites bombes. Et puis bon, c'est pas facile à larguer. Hein, je pense pas. Pardon, il y a que ça. Je pense pas que ce soit la menace principale. Alors ensuite, qu'avons-nous là? Il a une position assez intéressante. Surtout qu'on peut voir ses alliés sont totalement en spawn kill. Et tous les ennemis, du coup, ont. Ah, il a mis en fait le T-54, bien joué ça. Et tous les ennemis ont contrôlé tout le nord de la map, du coup. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh, oh le bonheur. Non, le 6, tu vas pas le péter. Le Panthère assure le kill. En passant par la chenille, ça fait toujours plaisir. Attention à l'IS-6. Là, il y a du monde en bas. Hein. Ah, il y en a un qui a mis sa smoke, du coup, c'est le T-54. C'est vrai qu'il y a les smokes maintenant sur War Thunder. C'est vraiment dingue. Voilà, là, ils avancent. Fais-toi plaise. Il faut. Ouais, l'IS-6 là il monte son flanc, il faut en profiter. Ouais, mais non, là il le montre plus. Ah. Juste un hit. Il l'a même pas. Il a même pas d'Itrax. Bon. Ils ont toujours pas l'air de l'avoir repéré, ça fait plaisir. Ah ha 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 ha. La tuile. Le petit coup. Oui, il est déjà 5 kills, j'ai même pas fait gaffe. Mais 5 kills déjà le Ace. Mais bien sûr, il ne va pas s'arrêter là. Oh, ce serait trop facile sinon. Bon, là du coup, il a pris un peu cher. Est-ce qu'on va pas avancer un petit peu? Genre le temps qu'il répare. Voilà. Oh. On répare mon grand. Voilà, et on est reparti. On est reparti. Le T-4400 qui avait l'air pressé. Attention, T-54 sous le pont. Hein. Le petit hep hep hep, attention hein. Faut pas te faire tuer hein. Il a vu le shoot. Il l'a pas vu. Oh, oui, tu l'as vu. Le T-54 qui s'acharne à lui tirer dessus. Il a pas remarqué que le T-54 était sous le pont. Mais bon, c'est vrai que c'était. Quand on sait où il est, c'est facile, mais en pleine game. Et bah non. Et bah non. Et bah non. Et bah non. Donc. Où est-ce qu'il va? Mais il va où? Il se repositionne, d'accord. Mais... Ah, ils ont changé cette partie de la map. Ils ont rajouté plus de rochers juste à droite là. Nanana. Bon. T-34 là-haut qui est en train de se faire fumer le cul. Ça lui apprendra à camper. Ils ont rajouté des rochers ici. Ils ont rajouté de la couverture du coup pour le point A. Je découvre des choses en même temps que je fais ce replay. Oh, il a pas les repères lui depuis tout à l'heure qu'il est là. Voilà, bon, bah un T-54 on va dire offert, gratuit. Gratos le kill pour le 6ème kill et une assist. Vous n'avez pas vu, il a fait une assist le petit notre petit copain là. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Attention là, t'as découvert mon petit. Il reste plus beaucoup d'ennemis, hein. Vous pouvez voir, il reste un T-4400, le YAK-3P, BF-109F4, un Object-906. Ouais, ouais, tu le vois. Allez, allez, qu'il avance encore un peu. Allez, oh, attends. Peut-être dû tenter le shoot. Allez.
Allez, avance, avance tes 44, voilà. Shoot, shoot mon pote. Ah, loupé, c'est dommage, ça aurait été un pur MLG shot. Ça aurait mis des de tous les sens, ça aurait été totalement stylé. Non, recule pas trop le T44, parce qu'il faut qu'on te tire dessus quand même. Bon, reste patient, il va se remontrer. Reste patient, il allait revenir. Mon dieu, tu as écouté ce que je te dis, oui? Ah, sting, 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 le personnage en FF4 qui a pas l'air très content. Alors, le jogger, allez! Putain, il veut pas se montrer ce con. Accélérer un peu parce que. Il veut pas venir. Oh, pardon, mais il a fait un très joli tir sur le T54. Oh, my bad, ça allait tellement vite, j'ai pas eu le temps. En tout cas, très très beau tir sur le T54 pour le 7ème kill. 7 kills déjà. Une partie relativement intéressante. Ah ah, le T4400. Oui, oui. Ah, oh bien joué. What? Ah mais d'accord, c'est son cul. Je pensais que c'était son blindage avant. Je suis en train de me dire, oula, il y a un souci là. Il y a un souci. Pourquoi il le met en feu? Non, il l'a tiré dans le. Il lui a tiré dans le fesse. Ah, le ricochet du bonheur. Le speed shot là qui n'est pas passé. C'est terrible, mesdames et messieurs. Hop, marche arrière, il essaye de voir s'il se fait pas flanquer à droite. Mais bon, nous on sait que. Ah oh. Ouais. Mais. Quoi? Oh, le M56, il lui a 40 son kill! Oh le fils de pute! Oh le M56 Scorpion qui a 40 le 8ème kill à Pierre. Oh mon dieu! L'enfoirax! L'enfoirax, il lui a niqué son kill. Bon, c'est pas grave. Il reste encore un PT76B et un IS3 du bonheur. Attention à l'IS3 au niveau des scores. On peut pas les voir, MDR. GG, Gaiji est en mode replay. Bon. Alors, le Yak3P qui est au fin fond du bout du trou du cul du monde. Regardez où il est, à mon avis il est vers son airfield, poursuit le FUTF. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Hop, l'IS3, l'IS3 juste ici, copain. Oh, il l'a no... Ah non, il l'a pas no scope, j'ai cru qu'il a no scope, c'est que j'étais plus sur sa vue, MDR. Bon bah joli kill sur l'IS3. On n'en parle plus. 8 kills, 8 kills, 2 assists en 13 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Et je vois qu'il reste encore 17 minutes de vidéo. Ah putain, on va accélérer un peu parce que. Parce que bon, on n'a pas le temps de niaiser, mais. Oui, il reste 800 un tigre de hache. J'annonce qu'il y en a qui arrive derrière lui. Oh! Il a sauté! Oulala, c'est vraiment gerbatif quand même ce truc. Les jumelles. Oh, le S800. Vous allez frayer la bête. Vous allez frayer le bestiau. Ouais, c'est peut-être en quête de l'amour. Tellement pimp. Il reste plus que le S800 en face. Bah, tuez-le. Mais tuez-le, bon sang! Mais tuez-le! T34 est totalement gorgeous. Enfin, un vrai heavy tank chez les Amerlol. Oh là là, c'est vu. C'est vu. Oh là là. Ah là là. Le. Peut-être le kill sur le SU100. Peut-être. Oh! Le ricochet du futur du trou du cul du monde! Oh mon dieu! Mon dieu! What? C'est quoi cette vue? Oh là là, le ricochet! Le ricochet! Attention, 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 peut-être le shot! Peut-être le shot! Gun view! C'est dégueulasse! Attention! Attends, je sais pas ce qu'il fait le T34, mais il a la flemme! Oh là là, regardez-moi ce push!
ce push du futur. Insert epic music here. Il est là, attention. À l'attaque, voilà, il a tiré. Feu. Feu à volonté. En parlant de feu à volonté, lol, il est en feu. MDR. MDR. Allez. Oui. Le 9e kill. Il fait des 360 sur lui-même. Le Pierre 99 est un Pierre heureux. En effet, mesdames et messieurs, il finit avec 9 kills, 2 assists. C'est vraiment wonderful, beautiful gameplay. Voilà. Voilà. So, Pierre, what are you thinking about this good game and this victory after all this? Even with the 9 kills, you are not the first of your team. I hope you had beaucoup d'XP. Voilà, Pierre, tu peux me répondre dans les commentaires de cette vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir, voilà. C'est le petit passage Nelson Montfort. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aussi aimé cette petite vidéo. Wouah ! Il y en a un, il m'a spammé de messages. Adri, d'accord, Adri 754. Bonjour, Adri 754. Il m'a spammé de messages. Coquin, va, on va voir, on va voir. On va voir si tu me spammes. On me spamme pas comme ça. Tu sais qui je suis, tu sais qui je suis. Voilà. Bleh. Bref. Eh bien écoutez, si cette petite game en patonne, j'avais jamais proposé de patonne en plus du patton 1 sur ma chaîne. Donc ce petit gameplay en M46 vous a plu. Surtout que 9 kills, c'était assez intéressant. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à vous abonner, à m'envoyer vos replays, vos bons replays. Donc, je le redis. Mais les replays à 3-4 kills, sauf s'il y a vraiment de l'épicness, et ça je parle en avion. Hein. Si vous m'envoyez des gameplays 3-4 kills en avion RV, je vais pas prendre. Sauf si vraiment il y a de l'épicness, des kills en folie, ça fait n'importe quoi. Là, vas-y, là je prends. Y a pas de souci. Mais sinon, genre un petit 5 kills là dans un avion. Là, si vous me sortez un. Ah. Si vous m'envoyez un petit ace avec un avion italien là. Comment vous dire? Comment vous dire que si vous m'envoyez 5 kills ou plus avec un avion italien, comment vous dire que vous êtes sûr de passer sur ma chaîne? Vous êtes sûr d'avoir votre gameplay sur la Nexus YouTube Channel of the Doom, hein? Vous êtes sûr et certain? J'aimerais bien... Ouais, j'aime bien le C205. J'aime bien le... Ouais, le C205, du jet, pourquoi pas? Si vous l'avez déjà, le P108 avec du canon de 102 mm, si vous avez un gameplay épique, alors vous dégommez je sais pas combien de milliers de chars avec. Non, je rigole, j'abuse. Mais allez-y, envoyez-moi, surtout qu'il est. Oh putain, il est au battle. Quoi ? Mais ça ne fait aucun sens ! Mais ils sont torchés avec le matchmaking sur les Italiens, j'avais jamais vu. What ? Mais ils ont là, j'ai mon cerveau qui s'arrête. Tier 4, battle rating 3.3. Gaijin, ouais, Gaijin, ouais, ouais, je vous appelle par rapport à la mise à jour 1.69, ouais, ouais, les Italiens, exactement, exactement. Les gars, il va falloir arrêter la vodka, parce que là, 3.3, 30 tiers 4, il y a quand même un gros souci. Oui, je sais que il n'y a pas beaucoup de véhicules et tout, mais bon, 3 points, on parle de 3.3, hein. Allez, le salam, la bonne journée. N'importe quoi, n'importe quoi. Là, je... 3.7, 3.3, 30 tiers 4, on aura tout vu. On aura tout vu. Hallucinant, choquant, décevant. Et les 3.3, ils sont là, ils sont en tier 2 normalement, hé. Bon, après, je suis d'accord que... Je suis d'accord qu'il manquait peut-être du véhicule pour faire du tier 4 pour pouvoir passer au tier 5, parce que là, on a pile poil les 6 véhicules. Mais bon, voilà, voilà, écoutez, voilà. Si vous avez du gros gameplay avec l'arbre italien, allez, appelez-moi. Enfin, appelez-moi, envoyez-moi un petit mail. Ça va... ça va dépoter. Bon, écoutez, voilà, je vous l'ai déjà dit, mais abonnez-vous, aimez la vidéo, félicitez le petit ThePierre1999, pardon, je vais faire l'abréviation, mais je ne suis qu'un sale con. Félicitez-le pour sa bonne game, et puis voilà, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Nexus, espèce de spammer de Adri. You know, you might surprise yourself.